Sur l'air de mourir pour des idées, mourir pour la patrie. Mourir pour la patrie, mais quelle idée brillante, à poil et le soignant comme le poilu au front. Et plus que le virus, l'idée est virulente. Soignant, fais-toi passer après toute la nation. Cache ta mine angoissée et cache ta tourmente. Soldat en blanc, va donc rejoindre ta tranchée. En gardant à l'idée, tu t'es trompé de métier. En héros démasqué, l'idée est délirante. L'idée est délirante. Pour aller t'exposer, tes habits de fortune qui viennent à manquer ne sont qu'une illusion. La tête dans le sable, mon Dieu, quelle infortune, te reste la cornette comme ultime protection. Vous êtes formidable, le monde vous admire. Non, non, vous n'êtes pas de la chair à canon. Mais vous saurez faire preuve de tant d'abnégation. La prime sur l'épitaphe pour le dernier soupir, pour le dernier soupir. Madame la ministre est une âme charitable pour venir publiquement annoncer qu'elle savait. Faut-il être stupide ou tellement intouchable pour oser se tirer une balle dans le pied? C'est elle, comment se nomme cette confession gênante de la non-assistance à personne en danger? Accompagnée de larmes pour édulcorer une buse désabusée, l'idée était marrante, l'idée était marrante. En crème et en tartine, on a toute votre estime. Discours perlocutoire qui sonne un peu trop faux. Votre reconnaissance en tube de vaseline se met à déborder, se colle sous nos sabots. Vos propos du moment sont assez inaudibles. Lorsqu'il y a quelque temps, vous n'en aviez que faire qu'humeur poignardée, une jeune infirmière de grâce. Taisez-vous, vous n'êtes plus crédible, vous n'êtes plus crédible. L'heure est grave et critique, disent-ils à présent. Ce n'est pas le moment pour faire de politique. Comment, face à ce drame, oser parler d'argent? S'il vous plaît, nous faisons de la santé publique. Aux alertes d'hier, vous êtes restés sourds. À l'époque où déjà vous étiez responsables. Alors préparez-vous, le bilan sera lourd. Et au petit matin, vous serez tous coupables. Vous serez tous coupables. Au diable les consignes, se disent les abrutis. La guigne est réservée pour le patient zéro. Ils rejoignent les plages, se retrouvent entre amis. Ce soir le corona s'invite à l'apéro. Vacances improvisées, l'idée était magique. Mais voilà, le virus était dans ta valise. Le transat sur la plage pour que tu agonises.